Bon, ouais, du coup, on n'est pas riche, on est dans la merde, mais on va s'en sortir, j'espère. On croise les doigts, m'expliquer comment on fonctionne. Donc, il faut bien entourer la poche, mais il faut pas toucher la poche pour qu'elle grossisse. Hein. C'est pour ça qu'elle grandissait pas tout à l'heure, la poche. Mais du coup, tu peux vraiment réussir à faire grossir les poches une chienne. Qu'est-ce qui t'arrive? Le pain de terre, j'ai déjà acheté un pain de terre, tu racontes quoi? C'est quoi ce bug? On vient de l'acheter? J'ai acheté je sais plus quoi. On est d'accord dans le chat. Vous confirmez, je viens d'acheter. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas compris, mais ok. Le problème c'est qu'ils font monter les prix, c'est enfoiré, j'ai pas d'argent moi. Combien j'en suis? 6000, putain c'est trop cher. J'aurais pas dû prendre celui à 6000, j'espère que c'est une bonne zone. Mais on est d'accord, j'avais déjà cette zone et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup je paye super cher, alors j'ai eu un bon prix, j'ai pas compris. Bon bah écoute, c'est pas grave, on fera avec. Ça va coûter une fortune, mais y a pas le choix. Peut-être pas confirmé, non, y a pas de confirmation à faire, tu fais ton offre et basta. Pour moi c'est un bug. Non, Ricardo a surenchéri sa parcelle, ok, du coup je pense que j'ai annulé. J'ai arrêté en pensant que c'était bon. Alors qu'en fait non, il avait surenchéri, c'est pour ça. Ah, ok, dans ce cas oui. Non, c'est pas un bug du coup. C'est effectivement que j'avais pas en fait... il est surenchéri, puis j'ai pas refait une nouvelle offre. Ok, je vous comprends mieux. Ok, on a de la chance. On va trouver notre pétrole relativement vite. Il nous faut des petits chevaux. On va les tirer tout ça. Comme des grands garçons. Et qui vont les rendre. Petite amélioration. Allez, c'est bon. On va la booster. Je sais pas ce qui est le mieux, s'il vaut mieux la booster et après tirer des tuyaux plus grands. On va mettre une deuxième. Je t'avoue que j'ai quelques doutes. Il y a tellement peu. Il y a tellement peu de... Qu'est-ce qu'on fait? J'ai même pas d'argent. J'ai pas l'argent pour... Je suis pauvreté. Allez les gars, vendez-moi tout ça pendant que le prix est pas trop dégueulasse. Parce qu'après il va se barrer, ça va être la merde. 87. Allez, on se calme. 80, moins de 80, je coupe. Ça sert à rien. Ah, vendez vite. Stop, on a à vendre. On va mettre un petit stockage à côté. Parce qu'on va se foutre de ma gueule. Et avant, c'est un peu trop cher. Ok, c'est fait. Est-ce qu'on peut trouver d'autres trucs? Donc on pompe tranquillement. Il y a là, mais... le problème, c'est qu'il faudrait que je fasse un zoom. Et ça coûte très cher. Voilà. Il n'y a que dalle. Ok, on a une toute petite poche. Vaut mieux essayer de chercher. Après, c'est que j'ai pas d'argent. C'est que je suis pauvre. Ok, trouver un autre côté. Je pense, ouais, je vais en tirer le tuyau comme ça. Ça sert à rien d'aller d'en créer une deuxième. Ça va coûter un peu cher. Mais on espère que ça passe. Il faut que je puisse vendre en fait. Parce qu'autrement, je vais être très pauvre. Je vous explique le problème. Vas-y. 700. Je vais essayer d'améliorer mes calages. Voilà. Amélioration. Une chose après l'autre. Attends, je vais en faire un comme ça, puis j'espère pas tomber sur la lave, puis sur du gaz, c'est un peu con. Si je pète une autre... Ouah, ça va super vite maintenant. T'as la vitesse où ça va? Ok, ça c'est fait. Ah non, j'étais en accéléré, quel con. J'avais appuyé pour accélérer. C'est normal. Tout va bien. Est-ce que je peux avoir du gaz, s'il vous plaît? Parce que c'est certes très pratique d'avoir tout ça, mais un peu de gaz, je t'avoue que je serais pas content. Parce que le gaz, c'est la vie. Tiens, vas-y, là. Allez, trouve-moi du gaz, il m'en faut. S'il te plaît, une petite poche de gaz. Il n'y a rien. Je me fais un petit peu arnaquer. Je dis ça, je dis rien. Oh. Le problème, c'est que là, il y a du caillou. Le problème, c'est qu'il y a du caillou. Ok, on a du gaz, on a tout ce qu'il faut. Donc, je propose de faire un contournement qui va aller chercher ça. Voilà. Et de faire ça. Il va du coup aller chercher ça. Je l'ai pas spécialement bien fait. Hein. J'espère pas casser la poche. Théoriquement, elle devrait être juste. Je dis bien en théorie. Tiens, vous la booster au passage. Merde, de côté, les gars. Ça me fait mieux. Hein. Ah merde, ça a touché. Hein. Enfin, ça a touché là. C'est censé toucher. Ok, c'est bon. Le problème, c'est que du coup, j'ai 25 000 points. C'est une petite fortune. C'est bon, ça fait son effet. Du coup, j'ai envie d'avoir une bonne petite poche.
Le problème, c'est que c'est bien de faire des gros tuyaux, mais il y a tellement à pomper que je vais m'amuser. Allez, on fend. Est-ce que je peux booster ça? Allez, 500, c'est bon. Ça a pompé plus vite. Hein. Parce que je te cache pas que là, on a quand même vachement à pomper. Du coup, sur une seule tourelle, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde que j'ai eue. En même temps, il n'y a pas grand-chose de plus, quoi. Donc, autant essayer de limiter. Ah, c'est pas assez cher le prix. Plus de pétrole, sérieux? Encore du pétrole? Je crois que j'ai fait de la merde. Le fait de mettre une seule tourelle, je crois que c'est une mauvaise idée. J'ai quelques doutes. Vois-tu? 314. Tout, tout, tout. Est-ce que vous validez ou pas? Enfin, vite, un petit peu. Besoin d'argent? Je suis pauvre. Ok, là. Ah, j'ai jamais réussi à tout pomper. Je crois qu'il faut déjà mettre une deuxième. Je vais pas trop lui 350. 1, 2, 3, j'en ai 3 là. Parce que je l'avais à côté, je connecte, donc ça servira à rien. Parce que là, je vais. On est quoi déjà en juillet, je vais jamais avoir le temps. Ah, vas-y, fais-moi ça comme ça. Parce que le problème, on va être dans la merde, je vais pas partout pomper. Et du coup, accélère ici si possible. Vendez. Et après, il faut tirer un peu de réserve quand même, ça pourrait être utile. C'est bon, ok, on se calme. On va s'en sortir. On améliore tout ça. Parce que là, je m'en sors pas, là pareil. Du coup, j'ai besoin de ça. En fait, donc la poche est en train de grandir. Oh, méchamment. Je vais pouvoir booster le prix méchamment là. J'ai juste à la connecter là, l'amener ici. Ok, ça va le faire. On connecte déjà. C'est bon. Un chiffre entre 1 et 11, 8. Est-ce que la poche est vraiment grande là? On est tombé sur une zone pas si dégueulasse, franchement. C'est pas mal comme zone. Est-ce qu'on a encore des trucs qui traînent? Y'a pas un peu de. Y'a pas un gaz là qui traîne par ici? Un petit gaz quand même, c'est sympa. Un petit gaz à booster, allez vas-y, un petit gaz, un petit truc sympa là. Ah, que dalle. Me faire maquiller, je casse du fric pour rien. Je claque du fric totalement pour rien. Putain, mais j'ai jamais y arrivé. On a 7 temps, mais j'arrive pas à pomper plus. Attends, j'ai pas boosté là, je suis un peu con. Allez, on pompe plus vite, messieurs. Parce qu'on a encore beaucoup là à pomper. J'aime pas ça. Je peux pas faire, je booste. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je t'avoue que je sais pas quoi faire. 198. Allez, vas-y, vends. Vends quelque chose. Fais rentrer du cash. Ok. Parce qu'on est déjà en septembre. Ça commence à être un peu juste. Ouais, je vais pas tout pouvoir puiser là, clairement. On est d'accord. Donc la question c'est qu'est-ce que je fais? Octobre. Oh, putain, j'aurais dû en mettre un deuxième, je suis con. De toute façon, ça ira pas plus vite là. Si je mets ça, ça servira à rien. Le tuyau ira pas plus vite, non? Ah, oh, je sais pas quoi faire, j'ai mis trop de temps à demander. J'étais con, enfin. J'ai été très très con. Je sais pas si c'est ça grand chose que j'ai fait. Mais écoute, je suis désespéré. Donc vas-y. Je ne sais pas quoi faire. Apparemment, je peux connecter pour créer le boost aussi. Ah, Nifex. Mon petit stockage. C'est de ce côté qu'on va booster après. Donc go mettre un maximum. Octobre, novembre, décembre. Ah, c'est juste. Bon, j'ai quand même le diamant pour essayer de booster au pire. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, calme-toi. Plus de chevaux. On va en avoir besoin. Il faut récupérer l'amélioration. Oh putain, le prix est super bas. Novembre. Et là, c'est pas grand chose là. Et là, c'est pas tellement. Le problème, c'est que je peux pas me connecter au gaz maintenant. J'ai croisé ça. Merde. Non, non, vendez, vendez, vendez. Non, les gars, vendez, putain. Vite. Non, 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 non. Non, je veux pas de. Putain, de. Des bancs. Je veux un coup de merde, mais parce que j'ai foiré. J'ai une fex. Ah non, ça! Je prends un petit peu, faut se couler. On est quoi, novembre? Ah, putain, c'est chaud. Est-ce qu'on va s'en sortir? Il reste presque plus de pétrole. Allez, il faut finir ce pétrole de merde là pour que je puisse activer le gaz. Au pire, ce que je peux faire, c'est fermer ça. C'est bon, vous en sortez ou pas? Allez. Je peux fermer ça et connecter le reste. Ok, je peux connecter comme ça et j'ai qu'à ouvrir ça.
Allez, normalement. Mais non, faut que je connecte, je suis con. Attends, ça laisse pas de marcher, allez vite. Non, le con. Mais le boulet. Quel génie. Quel génie cet homme. Est-ce que j'y vais déjà? Parce que vu la quantité, je t'avoue. Ouais, effectivement, vas-y. Parce qu'on a une petite quantité assez astronomique de pétrole. Prends le boost. Parce que vraiment, non, ça va pas du tout assez vite. Allez, les gars. On chope le pétrole, s'il vous plaît. Donc, le prix intéressant. Donc, ça s'effondre totalement. En termes de prix, ça va. En termes de revenus, franchement, je suis content. On a réussi à limiter la casse. Oh merde, il y a du gaz, deux gaz ici. Wow. Pas grave, écoute. On a pu limiter la casse, je suis content. Ouh, les petits boosts là, le petit booster de gaz, on a bien sauvé le cul. 16 000. Amende pour déversement, non. 15 000 d'amende. Mais putain, à chaque fois, je me fais avoir. 15 000 de pertes, c'est trop débile. C'est vraiment trop débile. Tu peux pas perdre autant. J'ai perdu la moitié de mes bénéfices sur des déversements, quoi. Au secours. Ah, le con, quoi. Démarrer. J'ai combien, moi? Du coup, j'ai combien d'argent? J'ai 27 000. Je prends. Je sais pas combien, c'était bien ou pas. 8% pour 7 000, mais c'est très très bien. Bon, du coup, il faut qu'on achète une petite session. Enfin, concession, plutôt. Qu'est-ce que ça me proposait? On était où, du coup, nous? Je sais plus, par là, je crois. 19, 17, c'est que des zones de merde. Je vais essayer là, je sais pas. C'est le cas la moins pire, on va dire. Combien on est prêt à mettre? Bon, c'est bon. J'espère qu'il y a du gaz, surtout. Le plus important, c'est ça. C'est vraiment d'avoir un max de gaz pour essayer de faire monter les prix totalement de façon abusée. 5000. On n'est pas bien. On n'est pas très 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 bien, là. Mais on va aller. Ayons confiance. Faut qu'on gagne ce foutu jeu. On peut le faire, bordel. 2 et 3. Si, si, même le 4ème, je suis en combat. N'aie peur de rien. Ok, ça trouve directement du pétrole délicieux. Faire un classique. On espère qu'on trouve surtout. Parce qu'en fait, en faire deux s'ils sont tout en bas, c'est une bonne jambe. Ouais, c'était pas la rentabilité extrême. Je prends un petit crédit, s'il vous plaît. Je suis pas contre. Ici, ça va récupérer tout ça. Vous vendre au meilleur prix possible. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Tout petit. Ça vaut la peine d'aller mettre... Ah, j'hésite. Je sais pas si je vais mettre d'autres personnes. Attends, pompon tranquillement. Il y a la bonus à mettre. Tac, je suis un peu en fou de faire ça, mais écoute, vas-y. Pompe plus rapidement, parce qu'on a quand même vachement de trucs. Ah, encore en dessous. J'imagine qu'il sera juste là. Ouh, pas dégueulasse. C'est pas totalement dégueulasse par ici. Bon, vraiment, ici, c'est nul. C'est totalement nul. Je manque de chevaux. Tac, je suis en fou, j'investis. Histoire de pas se faire retrouver comme un con. Du coup, je l'améliore. Il faut que je descende. Tout, je suis pauvre. C'est de la merde, 55 centimes. C'est totalement nul. Du coup, je suis un fou. J'ai pas encore des crédits. Parce que je refuse de vendre à un prix pareil. Faut pas foutre sous de la gueule non plus. On va faire un crédit, puis du coup stocker pour un meilleur prix, parce que là, c'est vraiment terrible. Vas-y, trouve-en. Trouve du délicieux pétrole. 45, t'as le prix est nul. Coucou, tout gear. Le prix est nul, et le problème, c'est que je crois que je vende. Ah, voilà, c'est bon, le prix remonte. Le prix redevient relativement intéressant, si j'ose dire. Allez, tranquille. Trouve-moi tout ça. On va booster les tuyaux, au passage. Histoire de récupérer ça le plus possible. On est pas mal, là. C'est un peu de la merde quand même ici par contre. Je t'avoue. Vas-y, je peux toujours plus rapide dans les dizaines, ça va être bien. Ce coup hyper intéressant, donc profites-en. Mais je sais pas quoi faire. Pff, mettre une tourelle juste pour ça, sérieux, c'est ridicule. C'est ridicule, mais écoute, vas-y. Il faut bien tirer le pétrole. Même si pour le coup, il rate pas grand chose. Il rate vraiment pas grand chose. Est-ce qu'on peut avoir un peu de. Putain, il est arrivé. De gaz, voilà. On prend un petit peu de gaz. Ah, c'est pas du gaz ça. Oh oui, c'est du gaz, on a de la chance. Attends, du coup, on se plante pas. Non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais faire.
C'est absolument pas, j'appuie sur une touche raccourcie. C'est pas volontaire. Bon, tant pis. Enfin, mec. La question maintenant, c'est est-ce que ça a fonctionné? Yes, ça marche. Ok, comme ça, notre gaz va grandir. On pourra du coup l'envoyer directement ici. Par contre, vraiment, il y a pas plus de pétrole que ça? On va trouver ici, j'imagine. Ça va être tout en bas, ça pue. Clairement, ça pue tout ça. Enfin, une petite poche de gaz, un truc comme ça qui traînerait. Absolument pas, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, c'est bon, on va stocker. Ah, mais non, arrête de fond, mais putain. Ah, ce jeu, il rend fou. Je vends un prix ridicule. J'ai pas le droit, c'est trop important là. Ok. Il y a absolument que dalle. Boum! Il y a même pas un petit peu de gaz qui traîne? Sérieux? Non, il y a vraiment que dalle. À mon avis, ça sent pas spécialement bon par ici. Parce que par contre, on a vraiment rien de puissant. Je balance quelques petites marmottes par-ci par-là, sait-on jamais. Mais à mon avis, on est sur le bout là. On va récupérer au maximum. Stocker tout ce qu'on peut. Il y a vraiment que ça. On est sur une zone à 15 là, c'est pas possible. On a intérêt à faire exploser le prix avec le pétrole, enfin avec le gaz. Mais bon, en même temps, il y a tellement peu, même en ayant un prix super intéressant. Comment dire, on va pas devenir riche. Clairement. Ça risque pas d'être la folie. Ah, t'as trouvé du gaz, toi? Donc. Où as-tu trouvé du pétrole? J'ai mis là-dessus, il n'y a pas trop le choix. Ce gars, il s'excite. Mais il n'y a rien, monsieur. Ça peut être qu'en dessous. Le problème, c'est que mon tuyau là, il a bien emmerdé. Et a priori, ça serait du coup le dernier. Il n'y a pas plus que ça. Est-ce que du coup, je mets un. Je sais pas si ça va la peine d'être un désir. Je t'avoue, j'ai quelques doutes. On a déjà tout récupéré, il n'y a plus rien. Oh l'arnaque! Ah bah là, il va falloir faire vendre au prix de malade. C'est notre seule chance. On va essayer d'avoir des prix de fou. Autrement, on est foutu. Je vais te faire monter au maximum ça. On va vendre le plus tard possible. En plus, j'ai vendu comme un con à prix totalement ridicule. Il reste du pétrole là, mais. Mais où, monsieur? Je veux bien qu'il vous reste du pétrole, mais moi, je vois rien. Je pense qu'il y a une mini réserve là-dessous. On va accélérer un petit peu du coup. Je récupère, là, il est presque fini. Ah, si, il n'y a plus que ça. Ouais, c'est bon, on commence à le voir. Ouais, juste là. C'est vraiment la mini réserve de rien du tout, j'arrive pas à tirer. Je peux même pas tirer mon cap, putain. Ah, tellement il est petit. C'est bon, on est dedans. Donc c'est bon cette fois, c'est le dernier. J'en mets un, mais je crois vraiment que c'est fini. Ce qui veut dire pas grand chose. Bon, sans les marmettes, on s'en fout. Mais s'il y a du gaz, c'est trop tard là. C'est clairement trop tard. Ok, on va quand même réussir à une petite réserve de gaz. Du coup, attends, je pense que je vais devoir faire ça. Non, pas encore. Faut que j'attende la fin avant de percer. Je vais vraiment essayer d'avoir le gaz maximum. Je vais essayer de grimper. Je pense qu'il n'y a pas grandir plus. Là, une fois qu'il va toucher, j'imagine qu'il va s'arrêter. Il va continuer de grandir. Bon, pas plus de gaz. Bon, la poche finalement, ça va. Bon, c'est bon, c'est déjà fini. Gouf, j'accélère. En espérant que le gaz, j'ai pas l'impression qu'il grandit plus. Une fois qu'il a touché les tuyaux, ça arrête de grandir. Ça a de grandir. C'est bon, vous avez tout, les gars? Il va sacrément faire monter les prix. On va attendre que le prix monte un petit peu. Et puis, on va prier. On va prier pour que ça passe. Ok, le prix monte, parfait. Oh, le prix est bien, là. Est-ce que t'es prêt? Merde, pourquoi je peux pas? Ah, j'ai pas assez d'argent, c'est con. C'est très con, effectivement. C'est une bonne raison. Stop. Allez, vas-y, chien. Bon, allez, on vend tout, vendez tout. Oh, putain, j'ai pas assez. J'ai l'impression que ça va être galère. Allez, on vend. J'y arrive ou pas? Je monte. Ça va, il descend quand même assez doucement, franchement. Je vais peut-être me calmer un petit peu. 19, 20. Attends, je vais laisser charger. Oh, il monte pas si vite que ça, parce qu'il a qu'une seule poche, malheureusement, il n'y a pas plusieurs poches. Attends un petit peu, hein, tiens, attends, venez, attends, je mets à zéro. Je renvoie, et maintenant. Go, là on arrive sur la fin du gaz. De 30 ans, elle va pas monter plus que ça. Enfin, les gourmandises ultimes, c'est bon.
On a pu tout avoir du coup. De 45. Ah, j'aurais pu attendre encore un tout petit peu. J'aurais pu attendre un petit peu. On a pu voir un petit peu, bon, pas beaucoup plus. Du coup, on a a priori tout récupéré, je l'espère. Oui, c'était une zone de merde. 17 000 de bénéfices, ça va, on va quand même limiter la casse. On s'en est pas trop mal sorti. Profit. Et à ces autres, en plus, ont perdu plein de fric. Yes, ça m'arrange fortement. Elle est en faillite. Et je sais pas comment ça se passait quand elle est en faillite. Est-ce que ça a proposé de racheter ses actions? Parce que si c'est le cas, il faut que j'économise pour racheter ses actions. Parce que prochain tour, si elle est à un niveau négatif, elle sera en faillite. Ah, je t'avoue que je ne sais pas.